ok, ça je salue toute la classe d'abord. Sans oublier, moi-même, ma grande sœur, maman Blanche d'abord. La vieille mère, ah, à la, il t'a qu'à dimanche, la vieille mère, Annie Bi, Annie Si. Annie Kiermina, Annie Lani, Moulinia, Manu, Annie Bi, Annie Si. À la avancée. À la lune avancée, Nicolas, à la. Chao, d'abord, je vais commencer sur le maître qui est toi-même, qui est vous-même d'abord. Chao, non, nous aussi, on parle les choses telles qu'ils sont. Vu votre travail là, moi j'ai dit ça en même temps. La dernière fois, Chao, le 19 septembre. Non, Chao, tu as vraiment construit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et j'interpelle tous les Ivoiriens qui veulent comprendre vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, que vous voulez ou pas. En tout cas, faites un effort, chacun n'a qu'à essayer de regarder. Parce que ça s'est passé devant nous tous. Et puis réfléchis à sa manière au fait. En tout cas, je suis convaincu que si tu as pris ton courage, tu vas écouter là. Ton côté sombre là, ça sera désactivé. Non, Chao, tu es un chef. Ça, c'est un temps pour toi. Maintenant, Chao, c'est à travers le canal de Tensi New York que moi j'étais connu, Chao. Vraiment, j'ai dit merci aussi à le frère. Il a prouvé que vraiment, c'est à dos ou rien. Ouais? Non, vous dites ça, vous ne croyez pas. C'est à dos ou rien. En homme à Falaniam, Kacho, avec télé. Même si, il a prouvé, il n'y a pas hier dedans. Il n'y a pas match nul au cimetière. C'est deux choses. Tu enterres ou on t'enterre. Et ils ont dit, ils vont aller mettre pour tout le monde, sinon, papa, non? Et il devait partir. Mais je suis fier de mon Chao. Chao, aujourd'hui, c'est vrai, je suis mon but aujourd'hui, c'est pour, ça veut dire, c'est pour vous montrer que vos élèves là, ce n'est pas les Gawa, ils sont trop, c'est des vrais aussi même. Le Malien qu'on est là derrière lui aujourd'hui pour dire non, il n'a qu'à venir, et puis il fera rien là. C'est pas courir qui fait le problème. Chao, moi, il est venu et dit, il a fait un bail. Même quand lui-même, les Maliens, même vont le coutou, il va venir. Il n'y a pas Yaya dedans. Aka, bon, ta coma. A pas, putain, nation, on va lui laisser. Les Maliens, à Nyanamao, à Kolongolo, moi, j'appelle tous les Maliens ici. Moi, c'est un Ivoirien. Et puis, quand il est ici, Ivoirien, là, il est fier. Il n'y a pas Yaya. Il dit ça même bien. Et c'est un vrai Ivoirien. Et en plus, pourquoi j'ai besoin de vous tous aujourd'hui? Parce que ceux qui sont bien là, ils ne peuvent pas trop parler. Assimi est là, il va les prendre. On est d'accord pour ça, parce que nous, on comprend les choses. Mais pourquoi je les appelle tous? Je veux que non, aujourd'hui, là, j'ai lancé un appel et puis ça apprend. Mario, vous dites que vous voulez faire Côte d'Ivoire Mali. Tout le monde est là. Ben, c'est que Nico Kouflet. Hein? Oyaluka Yenyaraye. Voilà un Côte d'Ivoire Mali que moi j'ai transformé ça tout de suite là. Les Maliens vont maudire. Oui, c'est moi qui dis ça. Anyanama à Kolokolo vont maudire. Allez-y, Koutou, vont mourir. On va venir faire Kolokolo. Ça, c'est Kolokolo, colonel Blaise. Abba Bitangasi, Abla Yangsi, tu n'as pas venu ici. Tu as sorti. Non, tu es Koutou, quand tu as sorti. Dans les Maliens, c'est un message. Que tu sois bon malien ou tu sois faux malien, en tout cas, c'est Côte d'Ivoire Mali qui est là. Nyawa. Ça m'a fait beaucoup dans nos cœurs, même là. À venir, c'est dit ça. Hey. Ablaï. Malien. Mais c'est la faux malien, benyana, kala, na, bana, faou, bousson. Aïe, maman, tanta, bla, ta, wa, wa, ta, bla, et ta, tena, ta, koutou, koutou, ananaï. Nanou, ma, ko, ba, l'air. Alors que quand on coule c'est là on capte les mots par la scène. Alors t'as quel âme? Chocroba. Nous comme nous nous on gagne chocroba la première fois nous n'y en a lui rêve à faire qu'on a. C'est ceux qui comprennent pas les Maliens qui ne comprennent pas là. Moi je vous dis ça en même temps. Ça veut dire c'est simple. À la scène ou rien. Coopérer. N'à la scène t. Fais ce qu'on conco. Enchité. Hein? Alors donc qu'on a quoi? Alors t'as en fait. En mettant minuit. À nous, peut-on d'ailleurs là, en cas
Yoroka Ganyanka, faut fanga besorana les kakanta les bien. Parce que Dieu veut la justice. Si toi tu veux pas être juste là, hein? Donc, il y a un message aussi que je voulais donner aussi à Soro Guillaume Chao, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. Soro Guillaume, il y a dedans. Moi, ici, un vrai Maouka. Mais tu sais que où on dit Maou, on dit Koya, non? Ça veut dire que ces mêmes familles-là, toi, tu as dit qu'il faut qu'un Maouka ou là, tout le monde. Il y a un ami même qui me c'est lui-même qui me fait damer si ça. Toi, tu as dit, tu veux disparaître même les Koyas. Et là, on peut compter, hein. Mais tu as fait tout ça. Et tu t'es pas limité là. C'est quoi, on refuse de te dire là, il y a des petits ça en même temps. Tu sais, frère, même si le vieux nous est gamé, comment tu as dit, je n'ai pas dit les maudits de un vrai. Ça veut dire un vrai Mohamed, un vrai Ivoirien qui veut vraiment voir quoi du voilà, colo colo là. Si tu crois là, il va faire ta prison. Si tu ne sais pas ça là, on te dit ça en même temps. Match aller là, c'est toi qui jouais. Match retour là, c'est nous en jouer ça. Le tu n'as pas nous en vouloir pour ça. Nous, on est gamés pour ça. Nous, nos croisements, et lui seulement là, partout dans le monde. En tout cas, on va bien, on va faire ça bien même. Ça, c'est clair. Donc, Soro, ça vous te dit quoi? Ça vous te dit tout simplement qu'il veut tout là. Faut danser ça. Mais tout chose seulement à Damba là. À Dango Menace. Nala son nom. En tout cas, Chao, je remercie toute la classe. La classe, vraiment, c'est une plateforme que les Africains, vraiment, ceux qui veulent la souveraineté là. Les Maliens. Au nom de Dieu, n'a la ma forme, nous carrément ne pas à fond. N'a c'est la cala, t'es koutoukoutou cala bon. Au nom de Dieu, mon commandant, moi, mon général, pro-vérité là. N'a la vena d'un d'amba, n'a la forme, n'a souverain, n'a pas de ma n'a ma di, a n'est au pro-proui. N'a la, a la bon. A fond seulement pour a t'y avoir, a pour baisser ta tête pour la ou le couler d'air. Petit nid de voilà quoi à quoi le Côte d'Ivoire Mali de Bénier. Alors pourquoi n'a qu'à guérir n'a qu'à dire. On a qu'à débat et pour le colo. Ça veut dire Côte d'Ivoire Mali. Ah, au Titi Kabonde, n'a connu l'illégionalité dans Ganté. Bon, mais le côté. Mimi Coronel. Bon, voilà, là, il est trop dans ça là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci pour ce que tu as dit. Je vais répéter un peu. Tu as dit ça de façon très simple. Oui. Tu as dit, au lieu d'aller faire la guerre pour tuer les gens là, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, là, c'est pas bon. Déjà, les djihadistes sont en train de tuer les Maliens. Nous, on ne va pas encore aller tuer les Maliens. Mais comme ils ont un journaliste qui est trop fort, tout le monde a confiance en lui. La guerre la plus forte, c'est la guerre des idées. Donc, ils n'ont qu'à venir. La guerre qui veut faire la Côte d'Ivoire. Là. Moi, le plus petit des partisans de Alassane Ouattara. Et moi, je vais confronter leur journaliste, le plus grand de leurs journalistes, Abdoul Niang. On va faire un débat intellectuel devant les Maliens, devant les Ivoiriens. Le résultat que ça va donner là, ça sera le résultat si la Côte d'Ivoire et puis le Mali rentrent en guerre. Parce que, de la manière que vous avez kidnappé nos soldats, c'est comme ça Abdoul Niang a défié tous les partisans de la Alassane Ouattara. Il pensait qu'il n'allait pas avoir garçon en face de lui. Mais votre Abdoul Niang, il est en train de fuir depuis 3 jours, il se cache. On allait sur sa plateforme le 21, il a fui, il dit que l'émission a duré, il a fui. On lui a dit, viens ici, il est là, il nous écoute. En ce moment même là, il nous écoute, hein, mais il ne peut pas appeler. Donc, chers Maliens, Côte d'Ivoire, on vous a déjà... Alassane vous a gagné diplomatiquement, ça fait 1-0. Il vous a gagné à l'ONU, ça fait 2-0. Il vous a gagné à la CDE, ça fait 3-0. La plateforme éclairée Pro-Vérité vient de gagner tous vos intellectuels à travers le plus grand que vous connaissez, Abdoul Niang, dont la Côte d'Ivoire actuellement vous gagne 4-0. Si vraiment moi j'étais un Malien digne, comme un vrai Malien digne, là, j'allais dire Abdoul Niang, sincèrement, faut pas ajouter, parce que c'était 3-0. Alassane Ouattara vous a fait un 3-0.
À cause de toi, Abdoul Niang, tu as fait, c'est devenu 4 à 0 maintenant. Donc vraiment, Abdoul Niang, lève-toi, faut partir. Matin, il dit non, 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 que c'est débat des caniveaux. Ah, est-ce que tu peux connaître quelque chose de caniveau si tu n'as pas vu dedans? Commandant, non. Si tu passes au bord de la route là, est-ce que c'est dans le caniveau tu rentres? Mais une fois que tu dis que toi-même tu vois caniveau là, ça veut dire que tu as regardé, tu as vu ce qui est dedans. En réalité, Abdoul Niang ne peut pas venir s'arrêter devant moi parce que quand il dit que c'est débat caniveau là, il a bien écouté, il sait que c'est un vrai intellectuel. Il sait que c'est quelqu'un qui a les idées claires. Il sait qu'il ne peut pas m'affronter. Donc, il veut dire aux gens c'est caniveau. Mais c'est parce que tu as vu ce qui est dans le caniveau là. Abdoul Niang, tu es là, tu m'écoutes. Parce que le direct, là, on t'a donné ça sur ton messenger, on t'a envoyé ça sur ta page, on t'a envoyé ça dans ton inbox, on t'a envoyé ça partout. Tu es là. Caniveau là, quand tu as vu ce qu'il y a dedans là, c'est connaissance qui est dedans. Et tu as peur, tu sais que tu ne peux pas venir. Et donc, à la vérité, si tu n'avais pas vu ce qui était dans caniveau là, tu n'allais pas refuser de donner un nom à ça. Mais si c'est vraiment un caniveau qui ne te fait pas peur là, viens. Tu vas encore rabaisser ce caniveau-là. C'est ce qu'on te demande. Mais cher Malien, il ne pourra pas le faire. Et malheureusement, moi je dis donc que lui-même, il est devenu égout. Caniveau encore mieux que égout. Donc, lui et puis vous les Maliens, vous tous, vous êtes devenus égout. Voilà. C'est moi qui ai proverbe, j'ai dit ça. Tant que vous n'allez pas venir au débat-là, vous êtes égout. Donc, on s'arrête là. Merci beaucoup, mon commandant. Non, Chao, nous, on a conscience. Et, Chao, ce que les Maliens ne savent pas, là. Les Ivoiriens, là, c'est pas Yaya. Les Maliens, même, ils savent ça. Mais peut-être qu'ils vont ignorer. Sinon, ils savent que les Ivoiriens ont bouche. Au lieu de le faire, ça veut dire, qu'à Foko, non, pas nous, à Foko, mais à Gabouya, là, et ils ont bouche. Alors, Polo, Polo, même, ils connaissent. Donc là, là, on laisse tout ça. Si tu vois quelqu'un qui est sur la toile, nous, quand les Ivoiriens, même, qui se dit que même là, il ne prend pas, même tout le monde gagne temps. On appelle ça Kelebe Niti. Si tu as des couilles, parce que c'est encore mis en français quand tu dis ça. Si tu as des couilles là, il faut venir ici. Non, c'est un colo-colo. Tu apprends, il peut s'amuser. Quand malheureusement, il faut qu'on travaille pour un an, l'année travaille, non. Et puis, il est tellement élevé que quelqu'un là même, ça n'a qu'à sortir même. Il va beaucoup me lever de la calasse, ça. Il va beaucoup me t'interpelle ici, là. Faut faire hier de ça, là. On a envoyé un message avec tous. Même hier, Delfro, même, on a un peu communiqué, mais on n'a pas terminé. Non, il veut qu'il va beaucoup me lever, n'a qu'à sortir en temps, même si moi, là, même. Fait, il n'a qu'à sortir en temps. Moi, j'ai coutu. Il a dit qu'il a sorti, il n'a qu'à venir faire des bases, ça, là. Il n'a pas dit qu'il est fort. Et puis, Chao, tu sais, l'enjeu, c'est quoi, Chao? L'enjeu, quand il calcule l'enjeu là, c'est tellement fort qu'il ne peut pas venir. Moi-même, je vais te montrer ça simplement. Qu'est-ce qu'il dit actuellement là? Tu sais que Chao, c'est un mouvement sur le gars qui vient même là. Est-ce que tu sais même sa mère a signé que ça a signé pour faire? Est-ce que tu sais que sa mère a signé pour faire même sans problème? Parce que il est là actuellement pour s'étamer sur les réseaux sociaux, alors que c'est tout branche là t'as cassé. Est-ce que tu vois, Chao? Je comprends très bien. Parce que un vrai garçon, quand tu dis qu'il y a quelque chose là, est-ce que quand moi je dis j'ai quelque chose là, est-ce que je cache? Il dit que lui, il a les écoutes, qu'il y a des gens qui l'ont contacté pour déstabiliser le Mali. Abdoul Niang, c'est faux. Tu mens. Si tu avais ça, tel que je vous connais aujourd'hui, vous êtes en manque de publicité, tu allais présenter. Je dis, un, tu mens. De deux, tu as une vieille photo fabriquée à la hâte. Pour dire que c'est une carte des agents de l'ONU. Je sais déjà ce sur quoi tu comptes là, je connais. Quand la dernière fois je t'ai dit là, il faut envoyer des vraies preuves là. Les preuves que Abdoulaye Diop a là. Avant-hier, Abdoulaye Diop était ici. Mais il a plié sa queue, la mienne, ses jambes. Donc ces preuves là, le 1er septembre 2022 là, ces preuves là, on a mis ça dans les chiottes et puis on a flashé. Donc les preuves bidons que tu as. Toi le journaliste des égouts. Si c'est sur ce connerie que tu comptes, si tu es garçon, il faut venir, tu vas faire un débat avec moi. Ce jour-là, tu ne vas plus prendre salaire auprès d'Assimi Goïta. Tu sais que si tu fais ce débat-là, tu ne vas plus avoir salaire
auprès d'Assimi Goïta. Et c'est ça qui te fait peur, Abdou Niang. Tu sais que si toi, tu t'arrêtes devant moi, dans un débat, et j'ai dit, tu peux aller partout, même si tu veux là, faut qu'on aille faire le débat là en Russie. Quand on va finir le débat là, tu ne vas plus recevoir ton salaire. Parce qu'Assimi va dire vraiment, tu ne vaux pas la peine. Parce que les Maliens vont comprendre que tu ne vaux absolument rien. Et on va te jeter aux égouts, puisque c'est ce que tu as.